m'appelle Léo Renogou, j'ai 18 ans. Je suis en formation Bac Pro TU, technicien d'usinage au CFA Loire, en 3e année. Avant de faire mon bac technicien d'usinage, j'ai fait une 3e générale, tout simplement. Mon stage de 3e, je l'ai fait à Nexter à Rouen. Ils font des véhicules blindés. Et j'ai vu surtout la partie de l'usinage, donc ça m'a bien plu. Ça m'intéressait, du coup je me suis lancé là-dedans. J'ai choisi l'alternance parce que j'étais pas très scolaire, j'étais plus manuel. Et le cycle école-travail, c'est vrai que ça m'intéressait parce que ça coupait un peu l'école, le travail, et c'est pour ça que j'ai pris l'apprentissage. C'est vrai qu'à chaque fin de mois, on a une petite paye. Bon, on a moins de vacances, mais bon, on est payé, donc ça motive pour travailler. Ma formation consiste à faire de l'usinage à partir d'une pièce brute et par enlèvement de matière à arriver à certaines tolérances que le plan nous donne. Ce que j'apprécie dans ce métier, c'est la précision, la recherche, et c'est assez manuel, donc c'est ce que j'aime. Mon entreprise, je l'ai trouvée par rapport au CFA, ils m'ont donné plusieurs noms d'entreprise. Donc ils m'ont donné Marl Finishing. Donc j'ai lancé mon CV et ils m'ont rappelé pour m'accepter dans l'entreprise. Je suis dans une entreprise qui est spécialisée dans le médical, qui font des prothèses de hanches, prothèses de genoux. On a beaucoup de normes qualité, parce que le médical, ça va dans le corps humain, donc il faut qu'il y ait une qualité propre. Après, la précision des pièces, et c'est vrai que la qualité, c'est impressionnant quand même ici. La pièce finie, elle va dans le corps humain, donc on se dit, on aide une personne pour sa vie, pour sa santé, quoi. Moi, ce que je fais dans l'entreprise, c'est la production des pièces. Je travaille avec les ouvriers qui sont là avec moi, donc je travaille en poste avec eux. Je règle la machine par rapport au plan que j'ai sur la pièce. Donc la pièce, il faut qu'elle soit conforme au plan et il faut que les tolérances soient bonnes. Donc je règle la machine pour que les outils passent au bon endroit. Ensuite, je lance la production, donc toute la série passe. Une fois que j'ai terminé ma série, j'en commence une autre. Donc il faut re-régler la machine, les outils, le programme. Là, je suis en bac. Ensuite, je vais poursuivre mes études, je pense, BTS, peut-être licence. Et après, on verra par la suite comment ça se passe.